it, best I ain't waiting. I'm figured it fucked up. Fucked up, fucked up. Boy, you got me fucked up. Salut les gens, c'est Redox. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc un colis qui vient de Amazon. Donc voilà. Donc on va ouvrir ça. Alors bon, ils m'ont mis des mandes Amazon Premium un peu partout. Je sais pas trop pourquoi. Je l'ai reçu super vite. Donc je l'ai commandé dimanche. Et j'ai reçu ça aujourd'hui. On est mardi. Donc ça a été quand même super vite. Donc je sais pas pourquoi ils m'ont foutu en Amazon Premium. J'espère juste que... Pourtant j'ai pris une livraison rapide, mais pas avec le truc premium machin. Hein. Bon, par contre j'ai pas de couteau pour l'ouvrir, donc on va l'ouvrir un petit peu à l'arrache. Par contre à une main, c'est un peu la galère. Et justement j'ai pas de trépied en fait pour poser la caméra. Et avec ce qu'il y a dans ce colis, pour les prochaines vidéos ça sera top. Je vais poser la caméra 2 secondes. Hop. Voilà. Voilà. Alors, j'ai tout simplement commandé un kit d'accessoires pour GoPro. Donc voilà. Hop. Donc il y a tout ça. Donc c'est le kit à une quinzaine d'euros je crois. Je sais plus c'était quoi la marque. Je crois que c'est peut-être marqué là. Zoki, voilà. Donc c'est un kit avec beaucoup d'accessoires. Alors on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc là il y a une petite pochette. Voilà, avec le petit Zoki. Ici on a la petite perche. Donc ça, ça va être sympa aussi. Là on a une fixation. Donc c'est un peu une fixation pince, il me semble. Là on attendait ce que... Ça c'est ce qui m'intéressait le plus dans le kit. C'est toutes les fixations en fait pour mettre sur casque, etc. Parce qu'en fait moi avec ma caméra j'en avais eu 3. Et j'utilisais 3 et en fait j'arrivais pas à trouver la bonne position pour la caméra. Donc là je vais pouvoir avoir une bonne vue. Alors après il y a le support ventouse. Donc ça par exemple ça peut faire effet de trépied aussi. Donc ça peut être sympa. Là c'est un autre support avec une sorte de bracelet il me semble. Voilà. Je vous fais en même temps la présentation vite du kit. Ça doit être le harnais peut-être. Ça doit être sûrement de ça. Ouais, ça doit être le harnais. Donc pareil, le harnais en moto ça va être sympa. Pour avoir une belle vue immersive. Ça c'est le truc qu'on met sur la tête. Donc ça j'utiliserai pour les futures vidéos unboxing. Ça permettra de pouvoir ouvrir avec mes deux mains. Et ensuite bah de... d'avoir une meilleure vue. Bon après il y a le petit flotteur là. Bon ça je pense pas trop que je vais utiliser, mais bon là, en vacances peut-être, je sais pas. Donc voilà, petit unboxing un peu rapide du colis de chez Amazon. Donc comme ça je vais pouvoir avoir des meilleurs angles de vue. Ah j'ai pas regardé aussi, je pense qu'il y a tout ce qui est visserie, etc. Ça doit être sûrement dans cette petite pochette. Hop. Ouais ça doit être ça à mon avis, il doit y avoir toute la visserie, tous les supports, tous les... Voilà, il doit y avoir tout ça. Hop. Donc il y en a pas mal, ça qui est cool. Ça je sais pas trop à quoi ça sert, c'est un petit truc adhésif à rond. Avec une petite dragonne. Bon ça c'est pour le guidon, j'en avais déjà un de meilleure qualité en plus. Là ça fait un petit peu plastique vraiment cheap, mais celui que j'ai il est beaucoup plus gros et beaucoup, il a l'air d'être beaucoup plus solide. Encore un autre truc bizarre là, je sais pas trop c'est quoi. Puis après voilà, c'est plein de petites fixations comme ça. Il y en a vraiment beaucoup, ça qui est bien. Je sais pas combien il y a d'accessoires, mais voilà. Il y en a vraiment beaucoup, voilà, ça aussi.
ici. On peut mettre sur un vis pour un trépied par exemple. C'est pas mal. Voilà, voilà. Il y a vraiment énormément d'accessoires. Ça va être bien aussi. Donc voilà, il y a vraiment tous les supports. Donc pour 15 euros, franchement, ça vaut le coup. Après, à voir si ça tient bien et tout. Mais voilà, logiquement, ça devrait le faire pour l'utilité que j'en ai, tout simplement. De toute façon, il y a vraiment beaucoup d'accessoires. Hein. La perche aussi, ça c'est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Donc, franchement, ouais, pour le prix, ça vaut le coup. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà. Franchement, c'est plutôt de bonne qualité. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, voilà.